corruption. Donc on va passer la parole maintenant à M. Lamine Côté, maître de conférence assimilé et secrétaire général du CERIF. M. Katou. Oui, allez-y. Bonjour tout le monde. Monsieur Abdoul Majib Gueye, président de la Chambre des entreprises, représentant Monsieur Mamadou Faye, premier président de la Cour des comptes, empêché. Monsieur le professeur Farambodj, procureur général près de la Cour des comptes du Sénégal. Monsieur Joseph Lour, président de la Chambre des collectivités territoriales. Monsieur Hassan Tierno Barrault, président de la Chambre de discipline financière. Monsieur Babacar Bahoum, président de la Chambre des affaires budgétaires et financières. Monsieur Mamadou Thiao, président de la Chambre des affaires administratives. Monsieur Aliou Niane, secrétaire général de la Cour des comptes. Monsieur Pape Assane Touré, secrétaire général adjoint du gouvernement chargé des affaires juridiques. Monsieur le chef de département de la faculté des sciences juridiques et politiques. Monsieur le directeur des instituts de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur, mesdames les membres du CERIF, chers participants, honorables invités, en vos divers rangs, grades et titres, Monsieur le Président de la Chambre des grandes entreprises, Monsieur Gueye, représentant le Premier Président de la Cour des comptes, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous témoigner toute la gratitude et le respect des chercheurs du Centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière, le CERIF. Cette cérémonie de présentation de l'ouvrage intitulé « Recueil des textes de base régissant les finances publiques au Sénégal » constitue sans conteste l'ouverture de la Cour des comptes à d'autres univers, notamment l'univers des universités. Ce qui, faut-il rappeler, est une innovation majeure dans la démarche de l'institution financière. En procédant ainsi, la Cour des comptes, conformément à son plan stratégique de développement 2022-2024, s'inscrit non seulement dans la logique d'améliorer la communication et les relations avec les parties prenantes, mais également elle crée les conditions d'échange avec les théoriciens des finances publiques, admettant d'enrichir les concepts, les règles, les principes et la jurisprudence qui encadre l'activité financière des organismes publics. Cette rencontre entre le CERIF et la Cour des comptes permet de conjuguer le foisonnement théorique des idées et le savoir-faire lumineux des animateurs de la juridiction financière pour, in fine, impulser la fabrique de la science des finances publiques et plus concrètement son infusion sociale, pour reprendre le professeur Nikès Médé dans sa note de préface. Le CERIF regroupe des chercheurs principalement des universités du Sénégal, de l'UCAD, de l'UGB, de l'Afrique, il en est ainsi de l'université Abomey Calvi au Bénin, mais également de la France, en l'occurrence l'université Toulouse-on-le-Capitole. Le centre a pour objectif
de mobiliser les réflexions et pratiques nécessaires au rayonnement du droit en général et des finances publiques en particulier. Mais également, le centre a pour objectif de produire des travaux, nous y sommes d'ailleurs, des rapports de qualité et des bulletins d'information sur l'évolution, sur la réflexion, sur la pratique et sur les mutations des finances publiques. Bref, le centre entend faire du droit public et des finances publiques des disciplines au service du développement. Pour le CERIF, le droit public et les finances publiques doivent être au cœur et au service de la cité. Pour la Cour des comptes, l'ambition est d'agir dans l'intérêt du public en répondant de manière appropriée aux défis des citoyens et aux attentes des différentes parties prenantes. Mais également, l'ambition pour la Cour des comptes est de faire face également aux impératifs de réduction des comptes de plus en plus fort et aux mutations induites par les innovations dans la gestion des finances publiques. De ces considérations est née la volonté de signer une convention entre le CERIF et la Cour des comptes, signée d'ailleurs le 25 juin 2021 pour une durée de 2 ans renouvelable. La Cour des comptes, en date du 6 août 2021, a adressé une lettre de mission au CERIF sur le fondement de l'article 5 de la Convention qui dispose que, au début de chaque année, sur la base d'une lettre de mission signée par le premier président de la Cour des comptes, l'association, c'est-à-dire le CERIF, propose un programme annuel d'activité accompagné de projets de budget. Parmi les objectifs assignés au CERIF figure notamment l'édition d'un recueil de textes destinés au personnel de la Cour. Dans un premier temps, les textes ont été sélectionnés sur la base de la commande de la Cour. Dans un second temps, la commande a été élargie à d'autres textes pour mieux tenir compte de l'évolution, de les mutations des sources des finances publiques. Cette mutation des sources du droit de finances publiques enrichit considérablement les normes auxquelles la Cour se réfère tous les jours, je dirais, pour exercer sa mission. De façon pratique, une démarche méthodologique a été préconisée pour réaliser cet ouvrage. D'abord, il s'est agi de faire la revue, l'inventaire, la vérification des références et la collecte des principaux textes législatifs et réglementaires qui régissent les finances publiques. Ensuite, un dépouillement minutieux a été fait de tous les textes officiels relatifs à la Cour des comptes, à la gestion budgétaire, à la comptabilité, à la fiscalité, à la corruption, à la transparence dans le cadre de l'État, des collectivités territoriales, des institutions publiques et des établissements publics. Ce travail de diagnostic est sans préjudice du recours qui a été fait à d'autres textes traitant les questions relatives à la matière financière de façon générale. Cet ouvrage est le résultat d'un travail d'équipe avec une implication positive des universitaires et des professionnels des finances publiques dont les mentions ont précédé les textes constituant le présent ouvrage. Qu'il me soit permis de les citer pour les remercier encore une fois. Il s'agit du professeur Nikes Médé, agrégé des facultés de droit, professeur titulaire université Abomey Calavi au Bénin. Par ailleurs, directeur du Centre d'études et de recherche sur l'administration et les finances, CERAF. Du professeur Boubacar Ba, agrégé des facultés de droit, assesseur de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Du professeur Sidi Alpha Ndiaye, agrégé des facultés de droit, directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix, EDHP, Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
du professeur Moussa Zaki, agrégé des facultés de droit, Université Garçon Berger de Saint-Louis. Du professeur Abdelaziz Dabakebe, agrégé des facultés de droit, chef du département de droit public et directeur du CERIF. De M. Ndiogoussar, docteur en droit public, mais de conférence assimilée à l'Université Cheikh Diop de Dakar. À M. Mamadou Aliou Diallo, docteur en droit public, mais de conférence à l'Université Cheikh Diop de Dakar. À M. Adamou Issoufou, docteur en droit public, maître de conférence titulaire, Université Cheikh Diop de Dakar. À M. Moussa Diop, docteur en droit public, maître de conférence assimilé, à l'UQAD toujours. À M. Aliou Niane, secrétaire général de la Cour des comptes du Sénégal. À M. Tafsir Douf, docteur en droit public, enseignant-chercheur à l'Université Garçon Berger de Saint-Louis, pardon. À M. Moustapha Fall, docteur en droit public de l'Université de Nanterre, responsable des affaires juridiques à l'ITIE et chef de cabinet responsable au niveau du ministère de la Justice. À M. Ibrahima Touré, inspecteur général principal du Trésor, conseiller technique du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. À M. Modou Bey, inspecteur du Trésor, directeur des finances et de la comptabilité de la CEFRU-SA. Chers collègues, vous trouverez dans ce listing l'expression de ma profonde gratitude et considération renouvelée. Nous avons également bénéficié de l'apport inestimable des chercheurs et des services COM du CERIF. Et c'est l'occasion de vous confondre dans les remerciements. Il s'agit de Vital Sambanès, doctorant en droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques, de M. Maguette Diop, assistant en droit public, faculté des sciences juridiques et politiques, de Mariam Niagne Cham, assistante en droit public, UQAD toujours, de Rokia Dabassagnan, doctorante en droit public, de Lamine Makangile, doctorant en droit public, de Mohamed Moustapha Mbodj, doctorant en droit public, élève inspecteur du Trésor à l'ENA, de Mademoiselle Fatou Bintouba, doctorante en droit public, de Bassine Ndaw, doctorante en droit public. Je voudrais terminer mes propos par remercier M. Mamadou Faye, premier président de la Cour des comptes, de son ouverture vers le monde extérieur. Comme il l'a toujours expliqué, que la gestion publique moderne implique la transversalité et le décloisonnement. Le montage d'actions partenariales est devenu aujourd'hui la clé de l'efficacité étatique. Mais remercie également le professeur Farambouch, procureur général près la Cour des comptes, qui a facilité et créé cette relation entre la Cour des comptes et l'université. Et remercie également M. Aliou Niane, secrétaire général de la Cour des comptes, qui a toujours accédé à nos multiples sollicitations dans le cadre de cette collaboration. Je remercie le président des chambres d'honorer de présence cette cérémonie. Remercie également toute l'assistance, honorable invité, en vos titres, grades et qualités, je vous remercie de votre aimable attention.